fait travail Fleur le Bain depuis 6 ans. Et ce travail-là, c'est bon Dieu qui nous donne l'inspiration. Comme on commence le travail avec ça, on trouve qu'il est vraiment qu'a fait une jolie quitteuse, une jolie or avec ça. Mais je fais Fleur le Bain, je fais rose, je fais filet des légumes aussi. Je fais beaucoup de fleurs, je fais beaucoup pour la maison, pour la chambre, pour le salon, tout ça. Ce travail-là, il y a une sora, je ne sais pas trop connaître ici, qui veut dire filer les bas. Et moi, je me donne comme si une vie. Je me donne la vie. Premièrement, ce que nous avons pour faire, nous avons un moula pour faire un déco de vase. Premièrement, je finis comme la mousse artificielle. Je veux dire, nous travaillons ce qui est artificiel. Et puis, nous avons du fil wire. Vous gardez dans toutes couleurs. Là, moi, je n'ai que eau, avec argent, avec vert, couleur blanc. Nous avons servi des couleurs vertes pour nous capables de faire une brosse avec ça. Là, mon père fait un joli bouquet d'un vase. Pour faire rose, tout ça. Comme il y a dans mes cheveux, là, là comme ici. Il y a une personne qui se dit, moi, qui. Jamais j'ai entendu qu'il veut dire fleur le bas. Il faut dire mon fer. Quand j'ai trouvé, je me disais extra joli. Et je me suis déjà fait avec un bouquet de morier aussi, avec fleur le bas. Il y a une petite chose qui, longtemps, nous avons une grande famille qui peut faire ça. Nous avons des parents, nous avons des mamans, grand-mère, tout ça. Je veux dire, ma couleur aujourd'hui, c'est couleur bleue. Fleur les balas, voilà, les couleurs bleues et couleur crème. C'est ces deux couleurs-là que je peux utiliser. Je veux dire, nous avons 5 pétales. Et nous sommes capables d'arranger ici, nous faire un brillant, comme je mettais là, dans nos cheveux. Nous pouvons mettre un brillant, tout ça. Il fait joli, toutes couleurs. Vous pouvez mettre brillant couleur haut, en jaune, couleur rouge aussi, dépend au goût. Ce qui m'inspire, moi, veut dire, comme on a des fleurs, tout ça, des roses. Vous pouvez aller dans mes pensées aussi. Alors, c'est là que je montre les pareils, je me trouve, je me fais un peu. Et quand je me fais mes fleurs aussi, je suis content, je me fais mes fleurs. Je me fais mes produits, je vais aller dans le magasin. Je vais aller les bas. Avec mon moule, mon fil wire, mon glue gun dans le magasin. Voilà. Pour faire recherche, tout ça. Pour faire recherche, encore plus encore pour mon bon travail. Pour ne pas louer une seule tendance. Alors, c'est mon rodé, ma petite quitteuse, ma petite pierre, ma petite perle, tout ça. Pour ma sœur, j'ai eu un contact avec une dame sur Internet, voilà, pour ça. Ça m'a un pétale qui nous a mis des fleurs là, voilà, ça. Vous avez les plusieurs couleurs, voilà. Vous avez ce blanc, vous avez ce rose, vous avez ce jaune et orange. Et là, ils viennent comme ça. Voilà. Et là, orange, d'après aux façons, d'après aux inspirations. Moi, je fais les comme ça, sa couleur là, tout ça parle bien avec ça. Et ça défile couleur wire couleur rose et sur les bas couleur rose avec ce pétale en dents couleur rouge. Là, je peux pisser comme ça là, pour faire à forme pétale. Maintenant, on commence à monter mon fleur. Mon fleur rose. On veut faire une fleur rose. On veut faire une fleur rose avec les bas couleur crème. Avec ça, les balles, nous servons du fil couleur blanc. Vous pouvez servir toutes couleurs du fil, mais c'est moi aussi préférable avec la couleur le balles même. Pour ne pas paraître, ma dire, décalage. Je veux dire, moi, je peux servir couleur blanc. Voilà. Vous tournez. Vous pouvez faire comme si vous tout en lit pour nous serrer bien, pour ne pas l'orguer. Et là, nous tassons. Nous vivons dans la tasse. C'est une taille fine, nous coupons les bas, voilà, et voilà, comme ça et tout. Je reprends travail à 9 h le matin, je termine à 3 h 30,
les dépenses, mon travail, mon commande, tout ça. Si je gagne un travail, disons, une semaine, alors je vais travailler un petit peu tôt. Un petit peu tôt, je vais dire jusqu'à 5 heures, peut-être, 5 heures, 6 heures. Et je vais prendre l'occasion que je travaille beaucoup, c'est pour le fête de mère, tout ça. Pour fête maman, pour fête d'année. Prendre l'occasion, l'anniversaire, même participer à la foire, tout ça. La foire Codon. Mon client, c'est les gens qui découvrent mon travail à travers la foire. Et là, je commence à gagner un client, tout ça. Un client commence à connaître moi. Et un client même, dit moi, mon banflet, bien joli. C'est pour moi quelque chose qui m'attire ça. Parce que je ne connais pas qui était à la fleur de bas. Et là, je suis allé venir. Après, je prends une fleur. Je suis allé guetter les autres places. Mais après, je suis revenu, je suis allé prendre fleur. Parce que je trouvais qu'un fleur est vraiment pour. Il y a un fleur pas commun. Voilà. Mais j'ai eu l'expérience, je suis passé de la foire, tout ça. Et je suis déjà participé au cours, la foire, la cure. Fleur qui m'a fait là, les rares. Voilà. Les rares, parce que de la façon qui m'a amené, il paraît naturel. Voilà. Il paraît naturel. Pour ma rose, il paraît naturel. Orchidée aussi, il paraît naturel. Voilà, mon banc de fleurs, je fais passer cette. Je mets la lumière aussi dans mon banc de fleurs, tout ça. Pour décoller. Je ne vais pas faire l'image, c'est une céleri. Je sens aussi les autres façons. Je donne plus de goût encore, les bancs clients, guetter, tout ça. Je te gagne plus pour trapper, pour toucher, tout ça. Là. Plus à la demande, je gagne beaucoup de banc rose, banc de fleurs montées, avec banc de plumes, tout ça. Et beaucoup de banc de vase. Voilà. Et là, moi, je range mon banc de vase. Je décore mon banc de vase. Mais quand le client trappe, je ne connais pas même comment il était, mais c'est moi. Quand je trouve un modèle, je donne ça d'après que je peux rôder. Soit je dis à moi, je fais confiance, mais là, moi, je fais d'après mon inspiration. Voilà, maintenant, nous pouvons peser un petit peu pour le premier pétale. Le deuxième, je pèse là. Là, il me reste mon dernier pétale pour terminer là, vraiment pour faire mon tasse, mon rose. Quand vous montez, vous pouvez trouver comment aller pour extra joli. Vous pouvez commettre une petite touche avec lui, une petite déco, une petite chose. Il fait gay. Vous pouvez réussir un petit peu, comme ça. À ce moment-là, nous montons, on prend une plume. Mais si nous gagnons les plus minces, c'est le plus bon. Pour lui faire sa forme pétale là, c'est au milieu. Voilà. On accroche avec sa plume là. On continue à peser là. Et là, moi, je vais me la mettre là. Je vais me la mettre un petit peu là. Là. Et un petit dans l'enseigne. Voilà. Et on retire. Il vient comme ça, au milieu. Et là, on prend ça, moule là, petit là, on pèse là, dans l'enseigne. Ce bâton là, il est déjà un bâton en rose, hein. C'est moi le pénis en rose, il vient comme ça. Voilà. Et là, on prend mon crochet là, voilà. On prend du fil, le blanc pareil, on tourne, juste mon tenier là, voilà. Il n'est pas sapé dans sa du fil là, bâton là. Et là, on commence à faire mon montage. On commence le plus petit qui m'a commencé là, avant là. J'aime pareil. On dresse là. On va jouer en fleur là aussi. On va donner sa forme.
Là, on trappe de gel. Servir la colle, on met les en tout, comme ça comme on peut mettre nos fonds à l'tête, il prend bien l'eau là, il cache aussi ce bande de fil tout ça. Voilà, ça on commence à mettre fonds à l'tête, on applique les là, on atteigne les un petit peu, voilà. Tourne, jusqu'à descendre en bas. C'est mes yeux en lit, mais il reste dressé, donné son fond. La scène commence à cabosser un petit peu pour faire fondre le pétale là. J'ouvre mes yeux avec mon lamé, donné fond. Voilà, on termine le travail. Bon, voilà, on fait le bas.